Salut Laurent, il y a quelqu'un qui m'a dit que Jeff, aérosol, m'attendait dans son atelier. Allez, j'ai pris ma petite caméra, on y va. Ah, salut Laetitia! Bienvenue dans mon atelier, viens, installe-toi. Je suis avec Jeff Aérosol qui est juste à côté de moi. Ça va, Jeff? Ça va très bien, Laetitia. Alors, tu me fais la joie de m'accueillir dans ton atelier. On va parler un petit peu de ta carrière. Jeff Aérosol est un personnage qui est venu s'immiscer dans ma... dans ma vie, un espèce d'alter ego qui, voilà, qui se confond avec moi par moments, qui est né en 82 à Tours, un soir où j'ai décidé de bomber mon autoportrait sur les murs pour que les gens me connaissent. Le street art, comme son nom l'indique, ce sont des images que l'on peint sur les murs des villes, au lieu, si je puis dire, de les peindre sur des toiles, des tableaux qu'on accrocherait dans les galeries ou dans les musées. Il se trouve que moi, le fait que je peigne dans la rue ne m'empêche pas de montrer aussi mon travail dans des lieux comme les galeries et les musées. Salut camarade! Je travaille exclusivement d'après photos et à 99% des photos représentant des gens. Donc je choisis des images au hasard de mes lectures, des pages que je découvre sur internet, des magazines, des journaux, des archives, des pochettes de disques. Je prends des photos également et je transforme tout ça pour qu'il n'y ait plus que du noir et du blanc, parfois des nuances de gris entre les deux. J'agrandis, je trace sur du carton, je découpe au cutter et je pulvérise de la peinture à travers les espaces que j'ai vidés. Ben, je pense que maintenant, je peux me la péter. Regarde, Laurent, c'est qui là? Ouais, tu m'as fait ce magnifique cadeau. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré dans mon magnifique physique? À vrai dire, quand je regarde une photo, quand je tombe sur une photo et qu'elle est entre guillemets pochoirisable, c'est le choix. Je me dis, oh, ça, ce serait un beau pochoir. Donc, je suis tombé sur ta photo, je t'ai envoyé un petit mail. Pourrais-je découper un pochoir à partir de cette photo? Tu m'as répondu oui, et voilà le résultat. Voilà, je me la pète, Laurent, parce que toi, t'as pas de pochoir. Voilà, merci.